repos, on veut s'en aller en bateau. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Donc, si tu veux partir, commence toujours par devant. On va détacher la première corde, celle du devant du bateau. Faire attention parce que le bateau va vouloir s'en aller. Il faut toujours garder sa main dessus tant si longtemps qu'on n'est pas rendu à l'arrière. Donc, je défais ma corde. Qu'est-ce que tu fais avec cette corde-là? Tu fais une loupe dans ta main. Tu la twist un petit peu pour qu'elle soit pas tout croche comme ça. Tu la twist, tu la mets dans ta main. Voilà. Donc, ma loupe, je la mets comme ça sur le poteau. Je prends cette main-là, je vais la chercher et je tire. Donc, c'est sécuritaire et safe ici, ça n'ira pas nulle part. Je garde toujours ma main sur le bateau pour le garder près du quai. Et je m'en vais à l'arrière pour me détacher. Un coup que je suis détachée à l'arrière, je repousse le bateau un petit peu du quai pour donner de l'espace au conducteur pour qu'il puisse faire sa manœuvre. Avec cette main-là, je m'en vais la chercher et je tire. Donc ici, notre corde est en sécurité, je viens ma main sur le bateau et je me dirige vers l'arrière pour aller détacher le bateau. Quand la corde est détachée de l'autre côté, tout est safe, là je peux embarquer puis pousser un petit peu le bateau afin de dégager là, pour le conducteur pour pas qu'on frotte tout le long là, du quai. Je vais te montrer comment taquer le bateau quand tu arrives à quai. Tu arrives, le principal c'est qu'il soit taqué pour pouvoir aller taquer l'autre. Donc on va commencer par la première. Ça peut être ici ou là pour le taquer vite. Mais rendu à la fin, on va le taquer ici bien sûr. Donc c'est de mettre ta corde ici, faire un tour, l'amener en S, un croisé comme ça. Ensuite, tu lui fais une boucle. Bien important que cette corde-là rentre en dessous de l'autre corde. Comme ça, ça bloque. Maintenant, tu en fais une deuxième. Comme ça. Il faut que tes deux cordes soient parallèles. C'est tout. On est bien taqué, on est en sécurité pour le coup. J'ai taqué le derrière super rapidement. Mon bateau il est en train de se diriger par là-bas. On est en train de le perdre. Je ne suis pas capable de pogner ma corde. Qu'est-ce que je fais? Si je suis bien taquée, je le dis à mon chauffeur. Le chauffeur, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer son steering vers le quai. Il va peser sur le gaz. L'année va s'en venir automatiquement. Et moi, je suis capable d'attraper la corde. Je fais ça rapidement. Et là, je fais le tour du taquet comme tantôt, comme je l'ai montré au début. Je le redirige en S et je refais la même chose. La corde en dessous et une autre fois. C'est barré, on est correct. Maintenant, ça l'empêche d'aller vers l'avant. Tantôt, on a fait, ça l'empêchait d'aller à l'arrière. Maintenant, mais j'ai une corde ici qui reste, qui est très grande. Il faut en utiliser une troisième. Moi, j'ai de l'espace pour aller au milieu. Donc, je vais aller l'attacher au milieu pour pas que ça fasse un rebound. Je vais l'accrocher ici.
j'arrive au milieu. Je fais mon tour et je le tac. C'est réglé. S'il me reste la corde, c'est trop long, je peux faire une tresse. Et voilà. Mais là, moi, la mienne n'était pas longue, alors pas de problème avec ça.
Donc, et j'embarque bien sûr.